Nouveau vlog. Alors ce matin, je ne vous ai pas pris tout simplement parce que j'étais en train de monter le vlog que vous avez, le vlog d'hier tout simplement. Pas mal de choses à faire sur l'ordi, paperasse, trucs comme ça, pas intéressant. J'ai une copine hier qui m'a proposé d'aller avec elle chez Jardiland, je crois, chercher une plante ou deux. Et peut-être faire les boutiques après. Donc en plus, il fait beau, ça va me faire du bien, ça va me changer la tête. Je crois que j'avais oublié de vous dire hier aussi concernant mes yeux, pour les lentilles que je voulais. C'est un petit peu compromis parce que faire des lentilles pour la vue de loin, oui, mais faire pour les deux, non. Donc c'est possible, en plus ça coûte cher, c'est 100 et quelques euros de test, après tous les mois 30 euros, à voir, j'ai l'ordonnance, mais bon, on va rester déjà sur les lunettes. Je devais y aller aujourd'hui d'ailleurs chez l'opticien pour choisir mes montures, je pense que j'irai demain. Alors ce matin, nouveau colis, c'est une créatrice de box. J'avais déjà présenté sa première édition, là c'est la deuxième, elle m'a demandé si je voulais toujours présenter sa box, j'ai dit oui. Bon allez, je vous montre quand même juste ça parce que c'est trop joli. Mais je m'arrête là. Allez, c'est parti. Ah bah, t'es là toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah oui, forcément. Les radiateurs sont chauds, c'est son nouveau spot. Bon, maman s'en va. À tout à l'heure, bichon. Trouve ce que tu veux. Ah. Ah ouais. Elle est super mouche. Mais c'est joli quand même. Comment tu dis que ça s'appelle ça? Pachira. Ah ben bah, je connais ça, j'avais fait une vidéo sur le Pachira. C'est très bien pour l'intérieur, mais oui. Pas celle-là peut-être. Pachira comment? Aquatique. Si. Mais je crois que si. Si. Mais celle-là elle est très laide. Je vais en profiter pour voir s'ils font pas des distributeurs d'eau. On a ça comme modèle. Je vois pas trop la différence. 50 euros quand même. Et celui-ci, 60. Oh. Ça, c'est assez joli par contre, le fauteuil. Avec le côté velours, les deux coussins. C'est beau. Particulier, hein. Tu peux pas mettre ça partout, mais même là, ça, j'aime bien. Il est bien, non? Oh là là, et vous voyez là. Oh, c'est trop choupette. Bon, il irait même pas dedans, je pense. Ah bah en fait, j'avais pas vu. Il est là. Ah. J'avoue que chez Jardiland, ils ont quand même de la déco sympa à chaque fois. Mais c'est hyper cher. Sans déconner. Je vous montre un truc. On a vu un cactus, un faux cactus, genre 140 euros de cactus. Non mais c'est juste pas possible en fait. Petite boîte mignon. Allez, par exemple celle-là, 9,95. Ouais, ça va. Bon bah si, en fait c'est en pleine installation là. Ouais, non, je crois que j'ai pas envie de regarder, c'est trop tôt. Par contre ça, j'aime trop, magnifique. Donc celui-ci, ce cactus que je vous disais, c'est un faux. Non mais regardez le prix, 150 euros. Mais non, c'est abusé quand même. Là, pour le coup, ça les vaut, quoi. Ton cactus à 149 euros, non, mais ça, 60 euros, oui. Attends, elle fait presque ta taille. Si, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Tu lui mets un joli pot. T'as vu comme c'est joli, ces pots comme ça. Et après, il faut que je mette un truc dedans. Elle est pas mal, celle-là. Ouais. Comment? Elle me parle pas espagnol. Hein. Moi, je parle pas espagnol dans les jeux. Ah, j'ai compris. Alors, cette fois-ci, c'est celui-ci. 29 euros, il est pas cher, il est très beau. Il est beau celui-là. Il est très beau. Mmh. Ça là, oh. Ouais, mais l'autre qu'on a vu là-bas est pas mal. T'as vu le côté Indus, les tables et tout, c'est mignon. Et en fait, t'as Paul qui est juste là. Merci, oh, ça devrait aller là. Ta tarte meringuée, elle a l'air trop bonne. Alors, tarte au citron meringuée et bah tarte à la framboise. On a eu une petite chouquette gratuite. Pourquoi on a eu une chouquette d'ailleurs, hein? Pourquoi on a eu une chouquette? Et voilà, ça c'est bon aussi. L'innocent mange, je crois. Voilà. Bah, je suis rentrée, j'ai allumé bien sûr ma petite bougie. J'ai mal au crâne, je pense que c'est vraiment... les suites de l'ophtalmo, hein, tout ce qu'ils m'ont fait, parce que ça me fait des aiguilles là. Ouh. Le petit bijou qui est dedans, je sais que c'est une bague, hein, mais voilà, je suis impatiente et j'ai hâte de découvrir ça. Bon,
pour être complètement honnête avec vous, j'ai mal au crâne. Ça me fait vraiment des aiguilles dans la tête. C'est pas comme des migraines que j'ai habituellement, des migraines hormonales. Pas du tout, là, c'est des céphalées, c'est des trucs, ça y est, des coups, quoi. Des coups dans le haut du crâne. Et bah, c'est super handicapant. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils m'ont tripoté tous les examens au niveau des œillets? Ou alors, est-ce que c'est quand j'étais voir l'ostéo pour mes cervicales? Mais ça fait au moins 3 semaines. Franchement, ça me saoule. J'ai hâte de mettre des lunettes, ça me fera du bien. Ou de retourner voir l'ostéo. Bon, sinon, avant que je m'étende, je suis essoufflée. La nana, elle a monté un escalier, elle n'en peut plus. Bref, j'ai ressorti ma robe Molly Bracken. Je l'aime bien, celle-ci, elle est belle. Oh là, oh, super, c'était remonté. Je vous montre la petite tenue sans la veste en jean. Elle est mignonne, hein? J'adore cette robe. Voilà, donc pour cet automne, c'est sympa. Et bah, ce soir, je vais me poser parce que forcément, ma tête me fait encore très mal. Je me suis fait une galette chèvre miel, un petit peu de surimi. Il y a quoi aussi? Des poires, du chèvre et des pruneaux. Ouais, c'est très spécial, mais c'est le genre de truc que j'adore. Et bah voilà, je vais regarder, je vais continuer la série Elite. Très particulière, mais bon, j'ai bien envie de poursuivre quand même. Je fais quoi? Saison 1? Bah, de toute façon, il n'y a qu'une saison. L'épisode 4. Voilà. Quand tu commences ta journée avec ça, en général, c'est que tu as passé une nuit de merde. Mais que tu veux pas que ça continue. Alors nous sommes vendredi et je vous ai laissé hier sur mon canapé, pas bien. Et ben voilà, ça a duré toute la soirée, toute la nuit. Je pense vraiment que c'est de m'avoir mis des lumières dans le visage, fait des tests, bref, plus les hormones, là, c'est pas cool. Donc voilà, ça c'est la tête de la nana qui a bien souffert cette nuit et qui vient de se réveiller. Ouvre les yeux, Caro, quand même. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos petites expériences pour me rassurer concernant les lunettes progressives, tout ça. Ça me fait chaud qu'en plus je vois que vous accueillez mes vlogs d'une jolie façon. Donc vraiment merci, je suis trop contente. Et bah, je vais continuer hein, pour le coup. Bah ouais. J'allais oublier, le mot de la fin sera pour Jackie. Toi, t'es en train de te préparer pour ton mariage, tu essaies tous les petits voiles. Bon, ok, j'arrête.